l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Nous sommes très surpris, en tout cas du beau nombre de ce nombre important mobilisé ici à Garéboréa pour attendre la délégation. Et cette délégation qui a à sa tête le sous-préfet de Bembou a été accueillie de manière extraordinaire. Donc, chère population de Garéboréa, nous vous disons merci de l'accueil. Je représente ici le maire de Bembou, parce que tout le monde sait que la Garéboréa et environ sont dans la commune de Bembou. Donc c'est lui qui m'a délégué de le représenter ici. Donc je parle à son nom. Chère population de Garéboréa et environ, je vous rappelle que le projet Aliouli comporte d'entrée la mairie de Bembou. Donc depuis qu'ils sont venus en 2016, ils se sont présentés à nous. Ils ont étalé le projet et nous n'avons ménagé aucun effort à les accompagner du début à la fin du processus pour la réussite de ce projet-là. Parce que nous savons combien de fois ce projet est important pour notre société. Ils ont choisi deux villages de la commune de Bembou. C'est le village de Karakhena et le village de Garéboréa. Et depuis qu'ils sont là, ils ont travaillé avec la population de Garéboréa, avec toutes les couches de la société, je pense bien. Que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les vieux. En tout cas, tout le monde se retrouve dans ce projet-là. Et ils ont travaillé aussi de connivence avec les services des eaux et forêts. Donc ce sont les services techniques qui les ont accompagnés dans ce processus-là. Et nous voilà aujourd'hui réunis pour célébrer ce beau résultat obtenu par le projet avec la population de Garéboréa et environ. Donc nous sommes aujourd'hui satisfaits, très 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 contents du projet Aliouli. Aliouli qui veut dire « levons-nous ensemble ». Donc c'est l'union qui fait la force. Et je pense que j'ai entendu dans le discours de la présidente des femmes, j'étais très ému quand elle disait que depuis que le projet est venu ici à Garéboréa, il y a une entente parfaite entre les populations. Donc ça, c'est une marque, c'est un résultat très important pour nous. Parce que sans la paix, rien ne peut se construire. Donc vous le savez mieux que moi, que quand il n'y a pas de paix, on ne peut pas construire quelque chose. Donc ça c'est un élément fondamental que Garéboréa a réussi ensemble avec le projet Aliouli. Et je pense que c'est l'un des objectifs majeurs de ce projet-là, c'est-à-dire la cohésion sociale, établir la cohésion sociale entre les communautés. Ça, c'est très important et ils ont réussi ici à Garéboréa. Bravo au projet Aliouli et bravo à la population Aliouli. Et à côté de cette cohésion sociale, je pense qu'il y a un thème aussi important qu'ils ont travaillé avec la population, c'est-à-dire la gestion des ressources minières et forestières et la gestion des conflits. Tout ça, la gestion des conflits entre dans la cohésion sociale. Parce que si on règle la cohésion sociale, on règle la gestion des conflits. Donc la gestion des ressources minières et forestières est un volet aussi important dans notre communauté. Parce que notre environnement, nous vivons à partir de notre environnement. Donc si nous savons protéger cet environnement-là, je pense que nous sommes en train de protéger notre vie entière. Donc, chère population de Garéboréa, ce qu'on vous a appris aujourd'hui, si on pouvait l'apprendre à toute la communauté de la commune de Bembou, nous en serons très satisfaits. Merci. Merci. Donc, au nom du maire
de la commune de Bembou, Marie Danfara, empêché, je tiens à remercier le projet Alouli, remercier la population Garé-Pouréa et environ qui a voulu coopérer avec ce projet pour la réussite vraiment des objectifs de ce projet-là. Donc, je ne saurais terminer sans répondre à l'inquiétude de Madame la présidente des femmes de Garé-Pouréa, qui a évoqué le problème de cas de santé. Je pense que vous avez une représentante au niveau du conseil municipal de Bembou en la personne de Bintou Tanga. Merci. À chaque fois qu'elle se rend au réunion, elle a toujours évoqué le problème de cas de santé et de moulins au niveau de Garé-Pouréa. Et je pense que l'un des problèmes a été réglé, qui est le problème de moulins. Il reste encore le problème de cas de santé. Et je vous rassure ici maintenant que les procédures sont en cours. Depuis 2017, le projet de construction de cas de santé de Garé-Pouréa a été confié à EGO. Merci. Et ils ont eu des problèmes avec les entrepreneurs qu'ils ont choisi pour faire ces constructions-là. Et les réglages sont en train d'être faits. Et d'ici peu, vous allez voir la case de santé ici à Garé-Pouréa. Merci. Donc, je remercie vraiment toute la population de Garé-Pouréa. Et je souhaite que la fête soit belle. Et nous disons merci au projet Alouli. Merci et merci encore.